Maintenant, on va créer l'armure animation qui va faire que le personnage va tourner en quelque sorte sur lui-même. Donc pour ça, on va prendre la window animation, la fenêtre d'animation. Si vous ne l'avez pas, vous allez en haut dans window et vous cherchez animation. Je vais la mettre en bas et une fois que c'est vous avez votre fenêtre animation, vous cliquez sur votre ennemi, sur la texture de votre ennemi, donc c'est bien, ce n'est pas l'empty, c'est bien l'ennemi, le sprite, l'image, et vous allez glisser vos deux images du personnage, moi c'est 1 et 2. Sélectionner d'abord l'ennemi pour que ce soit bien sélectionné et ensuite on pourra glisser les textures dedans. Alors oui, attendez, ça sera peut-être plus simple si on fait dans l'ordre. Donc on choisit bien l'ennemi et on fait Add Property. Là on va nous demander de créer une animation et donc là l'animation. Je vais simplement l'appeler ennemi. Voilà. Maintenant, je vais simplement l'appeler. Maintenant, on va pouvoir glisser les deux textures dont je vous ai parlé. On les glisse ici. Et donc maintenant, si j'appuie déjà sur play, vous voyez que ça...
Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode 3 de la série sur comment créer un jeu en 2D sur Unity 3D. On se retrouve juste après. Par la suite, je travaille déjà dessus, donc ça sert à rien de me le proposer. Mais voilà. L'animation. Je vais l'animer. Ça, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez simplement. Chacun un endroit défini, c'est-à-dire on va pouvoir les animer sur une certaine zone. Donc, par exemple, moi je vais mettre mon ennemi ici et il va se déplacer ici de droite à mon ennemi, ça sera ça. Simplement mon logo, ça sera ce. Donc aujourd'hui, l'ennemi que moi j'ai utilisé, ça sera simplement mon logo, ça sera ce petit. Aujourd'hui, l'ennemi que moi j'ai utilisé, ça sera simplement mon logo, ça sera. Ce petit logo. Et donc ce que va faire mon ennemi, ça sera ça. C'est-à-dire il va tourner la tête à droite, à gauche pendant son animation, et en même temps qu'il fait cette petite animation de regarder à droite, à gauche, il va se déplacer ici sur cette plateforme ici. Il y a plusieurs moyens pour faire des ennemis comme celui-là. Aujourd'hui, je vais en utiliser un en utilisant uniquement les animations. On peut utiliser ça et on peut faire ça via un script. C'est très pratique d'utiliser un script quand on en a vraiment beaucoup des ennemis. Mais pour l'exemple,
réviser les animations et si on a des changements à faire, on les fera un petit peu plus tard. C'est simplement pour avoir une base d'ennemis qu'on modifiera. Donc, comment ça fonctionne, ce que je vous ai montré avant pour l'animation? En fait, je n'avais pas une image, mais j'en avais deux. Donc, ici, j'ai ma première image. Vous voyez que le nom, par exemple, c'est 1.png. Et en fait, j'ai une deuxième image. Vous voyez? C'est donc deux images différentes, 1.png, 2.png, sauf que la deuxième est simplement retournée en mode miroir. C'est-à-dire, elle regarde vers la gauche et celui-là regardera plus vers la droite. Et en fait, voilà comment je vais faire l'animation. Ça va être simplement des images, un petit peu comme un diaporama, ça va être deux images qui vont se succéder l'une après l'autre assez rapidement, et ça va faire une animation. Donc, là je vous montre ça, c'est peut-être pas très évident, mais par exemple, on peut mettre par exemple à gauche ici un personnage qui a les bras baissés, et ici le même personnage avec les bras vers le haut, et ça fera tout simplement un personnage qui lèvera les bras et qui les descendra très rapidement. Donc là, ça se verra déjà mieux. Aujourd'hui, ça se voit pas très bien, et encore une fois, c'est pas. Quand je sors des kills d'un country, je m'en vais partout. En deux secondes, il est fondu. Dans cette dégustation-là, si vous êtes une heure country, vous êtes femme enceinte. Des femmes enceintes, c'est une insulte. C'est une femme, quoi. Je vais faire longtemps avec une heure country. C'est sans tout ça. C'est dégueulasse, ça. Quoi? C'est la même chose. C'est bien que les petits morceaux, là. Ouais. Ouais, il est wow. Pas dégueu au point de vomir, mais c'est genre, tu peux le manger. Mais dans le classement des Kinder, excuse-moi, il y a les délices et les pingouins largement avant. Pingouin! C'est dégueu! C'est un tout en mousse, un peu cette. Ah! C'est un bon effet! Ah! Mais ça, t'as pas toi! Ah, pingouin! Alors, si Gautry, c'est pour les femmes enceintes, pingouin, c'est pour les enfants de 7 ans! Je préfère avoir des goûts d'enfants de 7 ans que de femmes enceintes! Mais alors, de femmes enceintes? Alors là, tu vas chercher, je te jure que non! C'est carrément une catégorie de femmes, tu vois, c'est-à-dire qu'elles sont âgées et en plus enceintes! C'est hyper spécifique! Des bueno, bah oui, des bueno aussi! Non, puis d'un bueno, d'accord, à l'élite! Des bueno, bah si tu penses qui sort du frigo là, prends bien qu'en été, comment ça commence délicieux! Ouais. Ok, guys, it's gonna be fun. Yeah! Ok, take the stem, no problem. Ok, Et bref, sur site, il est simple, tu les vois. Oh! Un coup, je vais pas voler celle-ci. Un couvert là! Il y en a pas, on a affaire à des retards là. Ah merde, c'est nos couverts, on a pas voulu. Donc, en fait, finalement, cette map a été créée par la communauté. C'est moi qui vais faire le kill. C'est celui-là aussi. Bon, celui-là peut-être pas. C'est évidemment ce qui est parfait, c'est un problème de visée. Je sais que j'ai très mal. Moi ? T'es racide. Pour la petite histoire, le mec qui a fait cette map, c'est un des anciens développeurs de cette source qui avait été licencié. Et ils ont accepté cette map en mode qui travaille qui a été sur source. Non. Pour la petite histoire, le mec qui a fait cette map, c'est un des anciens développeurs de cette source qui avait été licencié. Et ils ont accepté cette map en Noël, son travail qui a été sur source. Non. Que Black. Quoi? Tu connais pas Que Black? Non. Bah, c'est lui qui chante Bazardé. Ah, c'est son nom. Que Black. Non, mais
vas-y, ils se sont offerts à toi, quoi. C'est trop des putains, pourquoi je vois ça, moi? Sur un plateau d'argent. Putain. Oh, ça sort! Oh magnifique action! Oh là là. Oh là, piste de pute! Ah, on est des Somaliens, toi, on est sur un bateau? Ah, comme dans le film avec Thomas. Exactement! Ça fait des pieds, il y a des mouettes dehors qui veulent. En fait, c'est un bonheur, mais c'est juste que c'est des mouettes qui sont mal faites. Je commence à regarder là-bas. Non, mais t'as vu, moi, comme il est dégueulasse en 2017, et c'est ça, non? Putain. Ah merde, oui. T'as vu qu'il y a eu un studio indépendant qui avait racheté les droits à Val pour un Play 3? Mais je pense avant de pêcher dessous et le capitaine m'a donné. Donnez-lui votre bateau. On n'est pas obligé de faire cette petite animation que je vais faire avec le personnage. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc comment créer cet ennemi? Première chose à faire, on va prendre l'une des deux images. Donc, je vais prendre la première. Je vais la glisser dans la scène. Déjà on voit qu'elle n'est pas vraiment à l'échelle, je vais le faire un petit peu plus petit.
Je vais modifier son scale. Cet ennemi, je veux qu'il fasse en fait ce mouvement-là tout en ayant la petite animation du mode miroir. Une fois que j'ai glissé mon ennemi, donc vous voyez que c'est une simple image en fait, hein, si je repasse maintenant en 3D, vous voyez que c'est... on va y arriver. Vous voyez que c'est simplement en fait une texture toute plate. Ce n'est pas un modèle 3D ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a importé notre première image. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer un ennemi. Créer un empty et on va glisser cette image. Parce qu'on veut en fait par la suite pouvoir tuer cet ennemi, par exemple en lui sautant dessus comme dans Mario, donc c'est l'exemple que j'ai pris aujourd'hui. Pour ça, il faut qu'on mette l'ennemi, enfin plutôt la texture, dans un empty. Cet empty, on peut le renommer